Singapour. Ce que je suis chaud, c'est de l'appeler avant son live et lui dire 2023, grosse année, commence fort ce soir, compte sur toi. Un truc comme ça, tu vois. C'est une dinguerie. Première journée épuisante. On se dirige vers Chinatown. C'est incroyable. On est à la plage. On a pris deux taxis différents pour aller à Sentosa. Le problème, c'est qu'à Sentosa, il y a trois plages. On a été déposé dans deux plages différentes. On a un peu galéré à se retrouver. Et maintenant, on est en train d'essayer de faire voler pour la première fois ce drone. Le problème, c'est que sans connexion pour l'activer, c'est un petit peu compliqué. C'est que je n'ai pas accès à un truc qui me dit voici tel réseau que vous pouvez prendre. En gros, la veille, on a allumé le drone pour la première fois histoire de vérifier qu'il marchait bien. Sauf qu'il a demandé à se connecter au wifi de l'hôtel. On a accepté et évidemment, on ne l'a pas déconnecté. Du coup, sur la plage, on n'arrive pas à réinitialiser le drone qui a besoin d'internet mais qui reste bloqué sur le wifi de la chambre. Vous pouvez observer ici Nasser en train de faire un feu. Toujours pour l'équipe des choses. Nasser est... Putain, merde, mon café! La serre essaye de faire du feu. Comment ça tombe, Pedri essaye de faire marcher le drone avec Jordan. Franchement, je pense que Pedri, là, je trouve qu'il n'a pas d'esprit de cohésion. Il essaie de faire marcher le drone, j'arrive pas. Je pense voter pour lui ce soir. Franchement, honnêtement, je sens que je vais être éliminé. Bah, ma serre est un peu sur mes côtes ces temps-ci. Ce que la serre ne sait pas, c'est que tu as le totem d'immunité. J'ai le totem d'immunité. Et grâce à ça... J'ai le totem d'immunité, ça va ? Le totem d'immunité, ouais. Sorry, bro. Les gars, comme d'habitude, c'est le génie qui a réussi à réparer le drone. Les gars, en fait, il y avait juste un swipe depuis en haut. On se retrouve sur une interface comme sur un téléphone Android. Let's go, c'est connecté. Vraiment, parfois, je me demande ce que je ferais dans ma vie sans Dianos. Et la réponse, c'est pas grand-chose. Regardez-moi ce mec qui s'apprête à sortir un banger, un hit de l'été sur Spotify. Bon les gars, on a fait notre premier plan drone. C'est un moment un peu important parce que le seul truc sur lequel on doutait un peu, c'est qu'à Singapour, les lois sur les drones, c'est un peu flou. Bon, maintenant, prochain défi, faire voler le drone pour la deuxième fois à côté de l'ESSEC. Et pas finir en prison. À l'ESSEC, c'est là il y a la plus grande concentration de Français, là où tu peux plus te faire griller. Je vais arriver avec masque, lunettes, casquette déjà. Et après, si on voit que c'est tranquille, j'enlève tout. Let's go. J'y crois. Et les gars, vous êtes excités à l'idée d'aller à l'ESSEC ou pas? En fait, je suis stressé, j'ai peur, mais je suis très très excité. En fait, c'est le moment le plus risqué là. On a le plus dangereux du voyage. Je vais me changer dans la voiture, comme ça je serai incognito. Est-ce que là on me reconnaît là? Franchement, un vrai ninja. Hein. On dirait un skin de Lee Sin dans LOL. Tu vois? Ouais, c'est devant nous. Je vois. Et sec. Attends, baisse caméra. Bon, je filme vers le bas parce que... Regardez, tu vois, il y a un mec de sécurité qui est en train de moucher avec. Je pense qu'il va venir me poser des questions. Non, il y a un mec de sécurité. Are you still good? Oh, my brother is killing. Your brother is dead. We don't want to go close here. We just want to be on safe spot. Do you speak Mandarin? Yeah, oui. What did you do? How did you do? What did Bon les gars, on était un peu suspects, donc il y a le vigile qui est venu nous parler. Par chance, il parlait mandarin, donc je lui ai parlé en chinois pour essayer de lui montrer que... En fait, je lui ai dit que mon frère, il étudiait à l'ESSEC à Paris et qu'il avait toujours rêvé d'aller à l'ESSEC à Singapour et que j'étais venu en mission pour lui filmer des plans à l'intérieur, etc. J'ai essayé de négocier. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a plein de travaux à l'intérieur, donc on n'a pas le droit de rentrer. Mais il n'y a pas d'élèves. On pourra pas rentrer dedans, mais on peut filmer tout ce qu'on veut dehors. Ça, c'est l'entrée principale, mais la belle pancarte de Singapour, elle est de l'autre côté. Par contre, pour le drone, je crois que ça va être la merde. On pourra pas. Tu n'es pas venu à Singapour, du coup, comme t'es nul, je me suis dévoué. C'est trop bien. Maintenant, on va faire l'arrière du campus. En fait, là, je vais partir et je vais lui dire si c'est chef. Chef, ça veut dire maître. Et ce que j'expliquais à Nasser, c'est que hier, on était dans une boutique de touristes et j'achetais des trucs et ils m'ont dit si c'est là-haut pas. Là-haut, ça veut dire patron. On utilise des mots forts pour se complimenter et c'est pour ça que je vais dire si c'est chef. Comme ça, il ne nous suivra pas jusqu'en bas. Si c'est chef, moi. Et nous voici à l'ESSEC Singapour.
D'ailleurs, si je monte les marches, vous allez voir, on arrive devant la porte d'entrée qui est fermée parce que tout le campus est en travaux. C'est pour ça qu'on vit, hein. C'est pour ça qu'on vit. On va faire tenir ça à Kevin pendant son playback. Et Henri, bisous surtout. Hein. Je crois qu'en stream, on va fracasser sa tête sur la table. Jordan fait un pan comme ça sur les sexes Singapour. Et juste après, moi, je suis là avec la tête d'Henri en pleurs sur le visage. Eh hey mec, c'est incroyable. Tu sais que sur la cam, on dirait vraiment Henri. J'ai pris des billets pour tout te montrer. Mais je suis pas ça. Janos, on s'approche du but. Le plan le plus important, c'était aller sexes Singapour. Il est fait sans encombre. Est-ce que tu crois au projet désormais? Non, mais j'y crois à fond. Dès le début, j'y croyais. Là, tout se concrétise. L'histoire est juste en marche. Un petit mot. Lessivé, mais heureux. Bonne année, Henri. Franchement, tout ça, c'est grâce à toi. Hein. Je connais plus les paroles. Ah mais ça je connais ça. And I think I'm freaking like. Il faut absolument qu'on arrête de chanter tout de suite. Regarde la forme de son levier de vitesse. Oh les gars, oh les gars, c'est quoi ça? C'est un levier de vitesse ça? Il a quand même en levier de vitesse, il a un impacto quand même. C'est toi aussi Nasser là, tu voulais qu'on chante. Jour 5 à Singapour, on commence enfin le montage. On se rapproche de l'inévitable. On va arriver dans une étape où il peut y avoir des surprises qui viennent pas de nous. Le plot de la vidéo, faut pas oublier qu'on est à Singapour. Le live, il se peut qu'au dernier moment, bah Henri dit bah en fait je live pas aujourd'hui. Impossible, je l'ai conditionné, impossible qu'il ouais, live pas. Mais tu sais pas, il peut être malade. Tu vois, le jour de l'an, il peut dire ah mec, j'ai trop mangé des œufs de limpe, c'est mort. Gros, il a posté une story fin de la saison 2022 des lives. Ouais. On reprend en 2023 très fort. Je lui ai répondu, let's go bro, à partir de lundi on tue tout. Ah bon. Il a fait let's go. Je sais pas, il est pas prêt. Jonas, j'ai une question. Mmh. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, et toi? T'es sûr que ça va? Ouais, ça va. Ah non, attends. Non, dis ça. t'inquiète. Oh, Jonas, point du coco. Non, les gars, mais c'est pour travailler. On peut pas sortir des masterclass. Est-ce que tu es content de passer de ça à ça? Je suis très content, très très content. On a un petit souci, les plans qu'on a fait en drone, je crois que la qualité, je sais pas pourquoi, elle est pas bonne. En fait, ouais, pour une raison qu'on connaît pas encore, ça s'est pas enregistré sur la carte SD, donc ça fait que des vidéos en cache. Donc là, vous voyez, la qualité, à la base, c'est censé être de la 4K. Après, je me dis qu'on peut peut-être l'utiliser pendant le parti pris d'avoir une image dégradée comme ça. On va essayer de rattraper ça par un effet VHS. Là, ça fait effet fin de film de vacances, tu vois. Comme c'est à la plage, en vrai, ça peut être cohérent. Ouais. C'est bien, Janos. C'est mon gars, ça. C'est bien. Et voilà, on a trouvé le hack grâce à Janos. Faut juste pas le toucher. Ouais, fais gaffe. Ouais, vas-y, là. Ah oh, tiens, oh, c'est ils sont mis. Oh. Attends, ça va non, c'est possible. Tu t'es pas fait mal? Ça va. J'ai pété un plomb là. J'ai fait quoi? Attends, y'a de l'eau là. Oh, t'as niqué mes pompes. T'as niqué mes pompes. C'est de l'eau. C'est du café. C'est comme ça qu'on termine 2022. Rentrer chez moi, je vais être un parano parce que c'est sûr qu'il faudra prendre sa revanche d'une manière ou d'une autre. C'est sûr. Ah, je vais prendre tarif, je le sais. Jour 6 à Singapour. J'ai dormi 2 heures. C'est quel jour d'instru, ça? Serre, apparemment, on m'accuse de certaines choses. Ouais, t'as fait mixte. J'ai dormi avec Alex et apparemment, on m'a ronflé l'un à côté de l'autre. C'était riche, il y avait de la drill, de la zumba, ça trappe. Si tu veux comparer ça à des rappeurs, on serait qui? PNL.
Ah ouais? Ouais, vraiment passé PNL. Deux frères, deux faux. C'était vraiment deux faux en termes de ronflement. Et Janos, toi aussi, tu ronflais pas mal. Hein. Tu m'as entendu? À un moment donné, Kevin ne dormait pas encore. Il ouvre la peau. Attends. Il fait ses Janos. Il fait, mais non. Je suis venu, il serait top line de zinzin. Et que t'as fait un classique, hein? Ah, cool. T'as fait un classique. Les amis, nous sommes sur le dernier plan du clip qui nous manquait. Celui de la valise. Oui, ça n'a pas été tourné chez moi à Paris parce qu'on n'a pas eu le temps. On triche un peu. On triche un petit peu, on le fait ici à l'hôtel. Et c'est une fin de tournage. Tu penses quoi si tu fais ça à ton frère ou ta soeur familialement? Est-ce qu'il y a une guerre nucléaire? Pas une guerre nucléaire, mais ouais, il y a un petit froid, une petite guerre froide qui va s'installer, on sait pas qui va répondre à qui. Nous sommes le 1er janvier 2023 et ce matin, à 7h06, donc à minuit 06 à Paris, Henri m'appelle en vidéo sur WhatsApp pour souhaiter bonne année, etc. Je réponds pas, vine parce qu'on s'est endormi à 5h40. Vers 7h46, donc minuit 46, il m'envoie bonne année d'abro. 15 minutes plus tard, bro, bonne année. Et là, je fais un boss move. Je l'appelle en vidéo. Dès qu'il a répondu, j'ai raccroché. Moi qui vois que c'est pas un jour. J'avais la main sur la cam. Et de l'autre côté, pareil. Je suis désolé, je suis dans une galère de connexion. Je suis en Italie, MDR. Je t'appelle quand je peux ou quand je rentre, rassure les parents. C'est galère. 30 minutes plus tard, je le rappelle, mais cette fois-ci en audio. Et là, c'est lui qui raccroche. Et là, il me dit, je t'appelle après, maintenant c'est moi qui suis en déche. Là, j'ai dit, je vais plus avoir de batterie. Je rentre le 3 au matin. Je passe te voir après si tu veux. Bisous, bro. Et il m'a réécrit, vas-y, on fait comme ça, ça a l'air d'être galère. Ah, bonne année et profite bien. Et après, je me suis mis en avion. Septième jour à Singapour. Ce soir, c'est le grand soir. On va poster vers 3h30 du matin. Tout se passe comme prévu. Là, il y a Janos qui est en train de terminer les derniers détails avec Jordan sur le clip. Toi, tu sens comment, en vrai? Je trouve que c'est incroyable qu'on ne soit pas fait cramer jusqu'ici. Vedri, qui est modo d'Henri, a l'information qu'effectivement, il stream ce soir. Tout à fait. Maintenant, il reste plus qu'à prier qu'il n'y ait aucun souci du côté de Yann qui doit uploader la vidéo sur la chaîne d'Henri. Ouais, Yann, j'espère que tu vas bien. Appelle-moi quand t'es réveillé, s'il te plaît. Je t'ai envoyé tous les éléments par mail. Comme ça, on fait un petit brief avant l'instant T, histoire d'être sûr qu'on n'oublie rien et qu'on déroule ça bien, quoi. Merci beaucoup. L'histoire est en marche. L'histoire est en marche. Yanos? L'histoire est en marche. Bedri? L'histoire est en marche. Hop là, l'histoire est en marche. Et c'est une fin montage. La légende, Yann. Ça va? J'ai une question, est-ce que t'as eu le temps de regarder un peu le clip? Ouais, j'ai regardé. Ouais, c'est nickel. C'est nickel, ça va déchirer. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où Henri pourrait le prendre mal? Non, je pense pas. C'est que gentillesse et bienveillance, donc... De là où tu es, tu as une bonne connexion pour uploader? Ouais, c'est bon. En plus, ton fichier est léger. Est-ce que tu penses que c'est possible? Je regarde le stream et à un moment où je sens que ça y est, il a fini son intro, là, tu l'uploades, tu vois? En fait, si on veut être parfaitement raccord, son upload, plus sa préparation, plus le traitement par YouTube, il faut quand même compter 5 à 10 minutes. Au moment où je le sens, je te fais un vocal pour te dire c'est bon, c'est parti, tu peux uploader? Ouais. Genre, ça roule. Toi, il sera à quelle heure? Il sera à 5h du matin. 3h, c'est 20h. C'est pour ça que je voulais t'appeler là, comme ça je peux dormir un tout petit peu. Ah ouais, t'es passé une nuit blanche sur le coup. Non, bien, fais-moi signe à 20h. L'histoire est grave, on marche. Merci Yann. Il y a Henri qui m'a répondu, let's go, il m'a dit. Mais en plus là, je viens de voir, là, il a fait une story. En route pour le premier stream de 2023, la famille, j'ai quelques annonces pour vous. Rendez-vous à 20h. Ça, c'est la tête qu'il va faire devant la vidéo. Il est en live, ça y est. Henri est en live. Cet été, on en parle depuis septembre, on est en studio. C'est pourquoi on est là, c'est pour tout de suite, mec. C'est maintenant. Allez, Henri, allez, Henri. Oh. Henri, 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 Henri. Un message.
plein de bonnes choses, meilleurs vœux. J'espère que vous allez tout arracher pour 2023. C'est sous cet auspice-là que je lance les hostilités pour 2023. Les hostilités, ouais. Samy est là sur le premier stream. Donc Samy, il faut que je lui envoie un message à la toute dernière seconde. Dès que la vidéo est postée, il faut que je vienne le corrompre à ce moment-là. J'ai préparé un texto que je vais envoyer à la seconde où la vidéo va être publiée. Bonne année Samy, c'est Kevin. Je viens d'uploader une vidéo sur la chaîne d'Henri. C'est normal, ne la supprime pas. Et c'est safe on stream, rien qu'il puisse le ban. Samy, on va te corrompre aussi. C'est bon, j'ai envoyé à Yann, tu peux poster. Yann va poster. Et voilà, du coup, pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oh! Et là, il a un tempo pour les questions. Il nous donne le temps dont on a besoin. Hey, Yann vient de m'écrire, ce sera en ligne dans 3-4 minutes. Oh! Les gars, j'arrive pas à croire comment tout s'imbrique. Il a dit quoi? Oh! Il l'a envoyé là! Attends. C'est non répertorié. Donc là, je vous balance des exclus. La vidéo est en ligne en non répertorié. On peut l'uploader à tout moment. Ok, go maintenant en public. Go maintenant en public. Allez, allez, allez. Sur elle est publique. Elle est publique. Message à Samy. Voilà, c'est bon, c'est en ligne. La vidéo est en ligne. La vidéo est en ligne. Chut. Allez, mon gars. Lis ton chat, Henri. Un peu tout. Et en gros, on va. Ça y est. Qu'est-ce qu'il y a, ma chaîne? Et qu'est-ce qu'il y a, ma chaîne? Ma chaîne YouTube. Ah, attends, quoi? Je t'ai dit que j'étais parti quelques jours dans le sud. Je t'ai menti? Singapour. Tu n'iras jamais, jamais, jamais. Singapour 2018. Tout était fermé et 2021. Tu n'avais pas les Singapour. J'ai trop C'est banger en fait, genre je lui en veux même pas. Je vais toucher en fait. Les gars, j'y crois pas, tout s'est passé exactement comme prévu. Moi j'ai jamais vu un plan qui s'est passé sans accro à ce point là en fait. Genre c'est plan à la perfection, mais moi je suis encore choqué là. Franchement, du début jusqu'à la fin, il y a zéro accro, tout s'est passé comme prévu, la réaction est incroyable. Ouais, la réaction est incroyable. Genre j'avais une once de doute sur si je la poste sur sa chaîne, qu'ils se disent comment il a pu poster un truc sur ma chaîne, mais en revoyant sa réaction, je suis très très heureux. Et je me dis que toute cette semaine de travail et ces mois de préparation en amont en ont valu le coup. On peut être fiers de nous, les gars. Ouais.